Eh bien, bonjour à tous. Donc, petite vidéo aujourd'hui pour voir un petit peu le suivi des travaux du pont de Bioge. Donc, pont d'Évian à Bioge, en fait. Voilà. Donc là, c'était à l'origine. À l'origine. Donc, en 2011, il y a cet article qui est passé sur le Dauphiné. Et là, eh ben, coup de gueule de quelqu'un. Moi, j'ai eu un coup de sang. Et puis je me suis lancé dans cette aventure sur cette canalisation. Donc, qui anciennement était ici donc. Voilà, qui était là, qui bah, aujourd'hui elle n'est plus alimentée, elle va être démontée la semaine prochaine. Donc après ils avaient mis ces caches, c'est encore plus moche je trouve, avec les caches que sans caches. Donc maintenant la canalisation a été enterrée dans le pont lui-même, comme on peut le voir là. Et après elle sera recouverte par une calade. Donc ce qui permet d'alimenter en eau potable. La partie du village qui est sur la Bernaz au-dessus et la partie qui serait rose au fond là. C'est pour ça qu'il y a eu ce tuyau d'eau de mille là. Et donc ça a été un mal pour un bien parce que comme je dis, s'il n'y avait pas eu la canalisation d'eau, et ben jamais on aurait fait cela. Et puis jamais ben, on aurait eu une collaboration avec les mairies de Féterne, de Laverne, de Rêve-Rose. Et les habitants de Bioge, bon, pour avoir été habitant là il y a fort longtemps. Et ben nos parents se plaignaient qu'ils ne voyaient jamais les élus sauf aux élections. Ben maintenant on peut dire que les élus viennent souvent à Bioge. C'est bientôt les élections. Voilà. Et ben c'est avant. Et ça a permis, ben, tu as vu les manifestations patriotiques et tout ça. Donc ce qui permet à Bioge ben, de revivre et d'avoir son histoire. Il y a eu une école, il y a eu un tas de choses. Et on est très lié à ce pont. Voilà. Et donc ça sera d'ici à un mois et demi, ben, ça c'est des travaux. La première tranche des travaux, donc la grosse partie sera finie. Voilà. Merci bien. Ben de rien. Voilà donc ce qu'on pêche depuis le pont de Bioge.
Eh bien, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons donc sur le pont de Bioges, donc le pont des Vians à Bioges, où les travaux ont commencé. Donc l'échafaudage est installé et je vous laisserai visiter tout ça avec les images. Et voilà, à bientôt, au revoir.